Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve pour un retour de course. Je suis toute seule parce que je suis en vacances, donc j'ai été faire les courses aujourd'hui pour finir le mois. Donc voilà, j'en ai eu pour 109 euros, je crois à peu près. Donc voilà, à tout de suite! Rebonjour! N'hésitez pas à vous abonner et à liker surtout. Et juste une petite parenthèse, ce sont nos courses, ce ne sont pas vos courses, ce sont les nôtres, c'est nous qui mangeons, ce n'est pas vous. Donc si, voilà, s'il y a un mauvais commentaire, je les supprimerai direct. Je ne m'embête plus avec ça, je vous le dis tout de suite, direct, voilà. Donc voilà, les petites courses de la semaine, donc 109 euros à peu près, non 119 euros. Voilà, donc j'ai pris des croquettes pour les toutous à 17 euros à peu près. Voilà. À 17 euros, pardon. J'ai pris des croquettes pour les minettes aussi. Alors, tout a augmenté. Hein. J'ai pris des croquettes pour les chats, j'ai pris des briquises. 15 kilos, 17,82 €. Les friskies, là, je les ai payées 3,46 €. Je vous donne un peu les prix au fur et à mesure, mais je ne les connais pas tous. Donc, j'ai pris aussi des sortes de BN en marque Eco. Marque Eco, marque Pépère plutôt. Donc chocolat, ça c'est Alexis qui a choisi, donc j'espère qu'il va faire au moins 2 semaines avec ça. J'ai pris de la réserve quand même. Du sucre, là c'est pour David, pour son petit café le matin. Des cello, ça c'est pour Alexis, il adore ça. Donc il mange que ça, je sais pas pourquoi, il aime pas trop le fromage. Bon ça viendra peut-être en vieillissant, peut-être, j'espère. Parce que nous on est très reblouchons. La raclette ça passe, mais les autres fromages il aime pas trop, donc difficile. J'ai pris du fromage blanc sucré, donc ça c'est pour mettre avec mes muesli, mes céréales ou l'avoine, enfin voilà, ce que vous voulez. Le matin au petit déjeuner ou à 4 h, c'est stop. J'ai pris des sucrés parce que j'aime bien un petit coup de sucré quand même dans la journée, un petit peu quand même. Voilà. J'ai pris aussi de la crème légère, ça c'est pour faire les yaourts maison, fluide, pareil. J'ai pris des cookies, ça c'est pour être pour 4 heures. Moi spécialement des pépitos, ça c'est pour David parce qu'il aime bien manger des pépitos, voilà, par deux. En gâteau, on va finir un gâteau, c'est tout ce que j'ai pris. Des goûts fraises, ça Alexis il en voulait aussi, goûts fraises, donc c'est la base hein, c'est des BN hein. Moi j'ai pris des dinosaures, ça j'adore beaucoup, j'aime beaucoup avec du céréale dedans, ça c'est vachement bon, mais bon on va faire attention quand même hein. Voilà, c'est tout ce qu'il y a en gâteau je crois, si je dis pas de bêtises, ouais c'est tout. Après, j'ai pris des boîtes de conserve, j'ai pris des salsifis, c'est super bon à la poêle avec un petit bouillon de cube. J'ai pris 2 boîtes de gratin dauphinois, ça c'est super bon aussi. Ça, voilà. Les pommes de terre étaient chères, j'ai halluciné, c'est tout augmenté. De la ratatouille, j'ai pris 2 petites boîtes de champignons en entier. Et en coupé, alors ça sera sûrement pour mettre avec les salsifis ou autre chose, je verrai. J'ai pris de la mascarpone, c'est pas souvent que j'en prends, pour faire un tiramisu. Donc ça, soit je le ferai au compagnon, soit je le ferai traditionnellement comme je fais d'habitude. Je vais voir. J'ai repris un Lipton pour moi comme ça. Ah mince, j'ai oublié de donner mon banc de réduction. Citron, vert et menthe, celui-là très bon, j'aime beaucoup. Ils en font du zéro maintenant aussi, j'ai vu. Alors, comment vous dire, à Leclerc, à Cézanne, plus de pâtes dans le rayon pâtes. Donc, je me suis vengée sur quelques pâtes qui restaient parce que j'en avais besoin d'un ou deux paquets. Donc, vraiment, donc du coup, ma petite machine à pâtes, elle va peut-être servir dans la semaine. Donc, des Barilla intégral au blé complet. Donc, ça, j'aime bien. Et il n'y avait plus rien. Plus de panzani, plus de... Lustucru, plus rien, était vide de rayon. Il restait juste un peu de blé complet, un peu de Barque Eco, un peu de 3 minutes. Et puis après, c'était des pâtes d'Alsace, donc qui coûtent une fortune. Voilà, j'ai un peu étonné quand même. Hein. Du maïs, ça c'est pour les salades ou à manger comme ça. J'aime beaucoup faire cuire et puis manger après. Du chèvre, ça c'est pour David. La marque Pépère. Alexis s'est pris des Capri Sun. Comme ça, midi fruits. Ça, ils sont très bons, Capri Sun. Vous en avez 10 dedans. On a pris aussi... Il a pris aussi des yaourts aromatisés. Oh, voilà.
Comme ça, il n'aime pas ceux qui avec des morceaux dedans, donc pareil. J'ai pris des patates pour frites, mais ça sera pas pour faire des frites, ça sera pour le cookie, je pense. J'aurais dû prendre des pommes vapeur, moi, plutôt. Mais bon, voilà. Et 2 euros, quelque chose, des pommes de terre. Du coup, si j'ai besoin, j'irai chercher mon petit... à la petite supérette qui fait automatique, vous savez, vous pouvez avoir les fruits et les légumes du coin. Voilà. Du pain de mie sans croûte, un peu explosé. C'est pour le déjeuner Alexis le matin. J'ai pris des yaos aux crèmes de marron. Ça, c'est pour David. Alexis s'est pris ça, une petite nouveauté, des Kit Kat Mix. Donc, c'est des petits yaourts, vous voyez, hop. Donc ça c'est pareil, ça c'était 2 euros quelque chose je crois. Pas donné ces trucs là. Mais j'ai repris des candérelles à la vanille, ça c'est bon. Ça vaut, équivaut à... Enfin voilà, mettez ça dans les fraises, dans le café. Moi je le mets dans le café le matin. Ou à 4 heures. Pardon. Du petit pain au lait par 10. Alors j'ai pris des fromages blancs. J'ai pris beaucoup de fromages blancs, j'ai envie de manger du fromage blanc en ce moment, donc voilà. J'ai pris du câlin à 0%. Donc voilà, ça c'est pour mettre avec des fruits dessus. Voilà, on essaie de faire changer un peu l'appétit de tout le monde. Du jockey, pareil, nature. Pareil. Oups. J'ai pris des yaourts brassés, ça c'est pour faire les yaourts à la maison. J'ai pris des concombres. Alors, le concombre 1,09€. Le concombre. J'en ai pris 2. Bon, c'est pas l'époque, vous allez me dire, mais bon, ça fait cher quand même le concombre. J'ai pris du beurre, ça c'est pour faire des gâteaux à la maison, ça c'est super pratique. J'ai pris des flageolets verts en conserve. J'ai pris un couscous aussi, parce que ça, si on n'a pas envie de s'embêter le soir ou le midi, hop, c'est vite fait. J'ai pris 4 baguettes. Voilà. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris des tomates. Grappes. Hop. Pour manger. Je l'ai trop le bruit. Donc j'ai pris ces pâtes-là. Il ne restait plus grand-chose, je voulais dire. Donc voilà. Ça, c'est des pâtes italiennes, je pense. Des mafalde. J'aime beaucoup ces petites pâtes-là. Par contre, c'est pas de lire. C'est vraiment parce qu'il n'y avait plus rien dans le rayon. Après, j'ai pris aussi des bananes. Donc, j'ai pris combien? 1,358 kg, 2,16 €. Le kilo, il a 1,59 € quand même. Pour des bananes. Alexis, j'ai pris des bonbons. J'ai pris des glaces que je vais mettre tout de suite au congélateur. Donc, j'ai pris des magnums à la transberry et à la menthe. Voilà. Je mets pas, je vais les mettre au congélateur. Me revoilà. J'ai pris de la crème fraîche aussi, ça pour faire des blancs de poulet à la crème. Donc ça c'est vachement bon. J'ai repris un beurre oméga 3 Saint-Hubert demi-sel. Parce que nous on mange que ça le matin ou le soir. Bon pas le soir mais au petit déjeuner normalement. J'ai pris un fromage pour Tiffany cœur de crème, la marque Pepper. Et pour finir j'ai pris les surgelés. Donc j'ai pris le trio de fleurettes, parce que en légumes il n'y avait rien, le clair, il n'y avait même pas de chou rouge, j'avais pas, je suis dégoûtée. Des haricots verts, ici à Sésame il n'y a pas de légumier spécialiste, il faut que j'aille à Romilly, donc j'ai 25 bornes pour aller chercher une vie pour faire chier. Donc la prochaine fois j'irai là-bas, on a pris mélange à la bretonne, ça c'est Alexis qui a pris. J'ai pris des épinards hachés à la crème. Voilà. Ça, c'est un peu mieux. Hein. Et puis voilà, si j'ai pris les croquettes, je vous ai montré pour les chats. Et j'ai pris des tirs éco aussi parce qu'il n'a plus action. Donc voilà, j'ai repris celle-ci. Parce que celle-ci, ça passe un peu mieux. Mais c'est vrai que les tirs le clair de chez Action, elles aiment beaucoup. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Le tour de chez Tour. Oui, donc voilà, c'était un petit retour de course de chez Leclerc. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager.
Et n'oubliez pas d'aller voir aussi sur Party Light. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, dans la petite flèche là. Il y a des belles promos qui arrivent, spéciale fête des mères, avec des nouveaux pots. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Il y a des belles promos encore en ce moment. Il y a moins 60 euros sur la outlet Party Light. Donc, c'est déjà des produits qui sont réduits. Et là, vous l'avez vraiment réduit. Les petits pots banana coconut et pastèque sont à 7,48 €. C'est un exemple à vous donner. Vous voyez, c'est vraiment pas très cher. En plus, c'est beau petit pot. Vous avez des bâtonnets, vous avez plein de choses sur la outlet. Donc, je vous mets le lien là-dessous. Vous inquiétez pas. Et allez vous voir ma nouvelle chaîne aussi, que j'ai fait spécial crochet. Donc, c'est les passions de. Les passions du crochet de Lydie. Voilà. Voilà. Donc, allez voir. Je vous mettrai le lien aussi en dessous. Et abonnez-vous, likez. Je vais mettre une nouvelle vidéo, je pense, aujourd'hui ou demain dessus. Et puis, voilà. Sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine avec ce beau temps. Nous, ça va, il fait beau, j'en profite. Et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!